Le couronnement de Charles III et de Camilla Parker Bowles aura lieu le 6 mai prochain. Le roi Charles III d'Angleterre vient de nommer un proche du prince William Lord in Waiting. Cet ami du prince de Galles pourra désormais remplacer le roi Charles III d'Angleterre à tout moment. Les préparatifs du couronnement du roi Charles III d'Angleterre vont bon train. Entre-temps, des nominations ont lieu, dont celle du marquis de Cholmondeley. David Roxavage, 62 ans, a été nommé Lord in Waiting par Charles III, 74 ans, selon le Vanity Fair relayant les informations du Daily Mail. Lord in Waiting ou Seigneur en attente est un titre très important dans la monarchie britannique. En étant nommé Lord in Waiting, le marquis de Cholmondeley sera invité à assister aux cérémonies officielles les plus importantes. Mais surtout, cet ami et voisin du prince William et de Kate Middleton pourra être amené à remplacer Charles III lors d'événements royaux. Le Vanity Fair reprend l'exemple du vicomte Brookborough qui a accueilli Donald Trump et son épouse au Royaume-Uni au nom d'Elizabeth II d'Angleterre. Comme l'explique l'article du Vanity Fair du 29 mars 2023, le marquis de Cholmondeley, David Roxavage, a été nommé Lord in Waiting permanent. Ce qui fait de lui un haut fonctionnaire retraité de la couronne. David Roxavage a été nommé vicomte Malpas à sa naissance, puis comte Roxavage en 1968 avant d'être nommé marquis de Cholmondeley en 1990. Il a épousé l'ancien mannequin Rosanbury, 39 ans, avec qui il a des jumeaux et une fille. Prince William et Kate Middleton, le marquis de Cholmondeley et légal son voisin la famille du marquis de Cholmondeley habite Houghton Hall dans le Norfolk. Dans le Norfolk se trouve également la maison de campagne du prince William et de Kate Middleton. Le Vanity Fair nous fait savoir que les deux couples sont de bons amis et habitent à quelques kilomètres l'un de l'autre lorsque les Galles séjournent dans leur maison dans May Hall. Comme le prince et la princesse de Galles, le marquis de Cholmondeley et son épouse sont parents de deux garçons, Olivier et Alexander, les jumeaux, et Lady Iris, la fille. À propos de l'auteur introverti et passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ses derniers articles, une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de 9 mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril.